Donc, quand je parle là, là voilà qu'elle vient déjà. La petite fille qui me coupe le cœur là. Elle croit que je suis encore en chômage comme elle pensait là. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Chérie, mais mon amour, moi je pensais même à toi. Mais comme je pense à toi directement, tu viens. Non, c'est que je t'ai vu. Seigneur. Aïe, 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 aïe. Quand je passais, pardon, je prends place. J'ai décidé de venir voir ce que tu faisais ici parce que ça fait deux temps que je te vois ici. Comme tu me vois là, tu sais que moi je chômais beaucoup. Tu as permis en sorte que aujourd'hui je peux te conquérir franchement le cœur. Donc, on m'a confié, on m'a donné le travail, comme tu vois là. Attends. Et donc, pour l'instant, si moi je gère, comme tu vois là, je suis en train de gérer la tomate avec les pommes et tout, comme ça. Donc, tu travailles déjà. Si c'est, tu as souvent le temps, de temps en temps, tu peux passer même me donner un coup de main. Mais il fallait me dire ça. Si je me disais ça depuis, est-ce que j'allais tourner? C'est que depuis le matin, quand je suis passée là, j'étais vu ici là. Et je dis que, mais qu'est-ce qu'il fait, mais il y a ici? C'est pour ça qu'en revenant là, j'ai que nous viennent directement. Tu vois que je prends un peu d'effort. Je prends un peu d'effort avec ça. Tu aimes ça? Non, moi, je n'aime pas ça. Moi, j'aime ce qui mousse. J'aime ce qui mousse. Au sommet là, non? On te sert quoi, chérie? Tout ce qui mousse. Tu sais que je bois ce qui coûte 100 francs, non? Bon, donne-moi alors la bière du pays. La bière du pays? Ok. Le tigre. Le lion. Les femmes ont le bon cœur. Donc, moi, je bois 100 francs. Lui, il vient boire jusqu'à 600 francs. Elle n'a même pas honte. Ça va? Tu veux faire comment? C'est souvent glacé, non? Oui, bien glacé. Ok. Non, je veux pas ça. Ok. La bière du pays. Donc, la bière du pays. Non, je veux pas ça. Je veux pas ça. Chérie, tu veux quoi? Je veux l'homme fort. L'homme fort? Peut-être que c'est moi que tu veux cette fois-ci. Non, le champion en poète. Voilà, le poète du Cameroun, là, c'est lui qui est venu. La fille ici va m'épater avec les choses que je ne connais pas. Voilà. C'est ça? Non, je connais. Non, c'est pas ça. Je veux le lion. Le lion? Oui. La seule bière qui a la tête du lion dessus. C'est ce qu'elle veut. Je n'ai pas ce qui a la tête de lion ici, chérie. Comment? Le patron n'a pas acheté ça. Il peut dire à ton patron d'acheter. C'est ça? Voilà. Chaque ok. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Parce que tu sais, moi je suis une lionne, donc je ne consomme que ce qui a le lion dessus. Ok. Ça va? Donc maintenant, si en fait les bonnes choses peuvent commencer, tu sais, si tu avais commencé par là, tu vois, si tu m'avais dit que non, maintenant tu as un boulot, là je me serais. Tu ouvres, chérie? Oui, ouvre. Ok, d'accord. À la santé. Tu peux goûter un peu? Non, pas ça. Ok. Voilà, donc ça veut dire que dorénavant, tu peux bien prendre soin de moi, c'est ça. Voilà, parce que tu sais, moi je me mets avec quelqu'un s'il ne peut pas prendre soin de moi. Donc j'ai des besoins. Ça veut dire quoi? Tu prends en charge mon loyer. Tu t'occupes de ma façon de m'habiller, donc de mes vêtements. Voilà, tu t'occupes de mon lait de toilette, mes petits problèmes quotidiens, voilà. Et moi, je préfère fonctionner en semaine, tu vois. Ça veut dire que par semaine, chaque semaine, tu dois me donner une somme de 50 euros. Non, ça ne dérange pas. C'est un petit problème. Même si on vend tous les pommes, si on va te donner l'argent. D'accord. Ah, c'est mon amour, tu sais que tu es le meilleur. Tu sais, des hommes comme toi, on n'en trouve pas facilement. Donc, tu sais, moi, je suis une fille claire et propre, tu vois. Et j'ai des valeurs. Mes valeurs à moi, c'est qu'un homme doit prendre soin de moi.
parce que Dieu m'a créée déjà toute belle, alors il faut entretenir ça. Mm-hmm. Tu vois, on dit souvent, et toi, le Seigneur t'aidera. Mm-hmm. Tu vois, donc, tu ne peux pas être avec moi. Non, si ne te dérange pas. Ne te dérange pas. D'accord. Ce n'est plus les affaires qu'on parlait avant là. Donc, ta vie va changer, je vais changer ta vie. Tu sais que moi, j'aimerais même que tu sois la mère de mes enfants. Si on pouvait même vivre ensemble, ça me fera plaisir. D'accord, il n'y a pas de souci, mais tu commences déjà d'abord par payer où je reste pendant un an. Si c'est que tu es réglo, je vois que tu réussis à payer pendant un an. L'année qui suit, je viens directement m'installer avec toi. Donc, si tu réussis à respecter tous mes besoins, à gérer tous mes besoins, je dis bien tous mes besoins, même ceux de ma famille, parce que tu sais, mm-hmm. je suis la seule fille de ma mère. Mm-hmm. Hein, et tu vois, et elle n'est pas mariée. Donc, tu veux payer pendant un an? Oui, tu payes un an. Maintenant, je t'occupe de moi et je t'ai dit qu'on s'occupe de moi. Donc, 12, par donc semaine. C'est-à-dire que tu veux que je paye ton loyer 12 mois. Oui. Ok. Mm-hmm. Mm. Parce que moi, je paye en un mois. Mm-hmm. Donc, je payais en un an en temps pour moi. Tu vois, donc il faut continuer comme ça. Et tu es tombé à pic parce que je viens juste de me séparer de mon ex. Tu vois, oui. Donc je suis disponible, je suis célibataire, mais moi je n'ai qu'une seule condition, c'est que tu prennes soin de moi. Tu prennes soin de moi à fond, et tu sais que moi ce n'est pas uniquement moi, j'ai ma mère, j'ai mon petit frère, j'ai ma cousine et j'ai ma nièce. Donc si tu es prêt à tout assumer, moi je suis ok, à toi, je vais gérer tout ça. Tu sais que quand tu aimes une femme, tu es prête à tout. Non, merci, donc comme moi je t'aime là. Mmh. Même s'il faut que tu donnes ma vie, je vais le faire. D'accord. Mmh. Ok. Donc, pour commencer, pour montrer ta fiabilité, c'est que tu me donnes d'abord certaines choses. Tu vois, mon petit déjeuner à la maison est fini. Donc, j'ai besoin de mayonnaise, du chocolat. Non, il y a tout ça. Je vais te donner tout ça. Voilà. Je vais te donner tout ça. Donc, ne te dérange pas. Hein. Je vais mettre ça dans le beau sac. Mmh. Je vais te donner. Mmh. Tu vois, non? Mmh. Merci, mon amour. Cadeau, c'est oh, comment? Ça va, grand. Bonjour, Eric le retour. Salut, je suis passé ici le matin, j'étais vu assis là. C'est quoi? C'est toi qui gères derrière ici? Ah oui. J'ai été recruté ici là. Ouais. Oui. Donc pour l'instant là, tout là, c'est moi qui gère. Mmh. Oui. J'ai même remarqué que tu étais assis avec la petite là. Je suis passé comme ah, si oui, il n'y avait rien, mais bon. Oui, oui, j'étais assis avec la petite là, mais la petite là, le couple. Mmh. Tu imagines que moi j'invite une fille. J'arrive, je suis en train de consommer 100 francs, mais elle consomme jusqu'à 650. Tu sais ça? C'est oh, la magie. Je t'ai dit. Donc, tu l'as quand même offert quand même la bière? Oui, non, elle a bu une bière. Elle a bu une bière. Mais c'est moins qu'elle a le goût que je voulais qu'elle boive aussi 100 comme moi. Mais tu sais alors que si quelque chose t'arrive, c'est avec moi. Hein? Donc moi aussi, je suis venu que bon. Donc moi aussi, une bière. J'en crois aussi. Donc moi je vous fais la bière à la fin, mais je vous fais aussi la bière. Donc tu donnes la bière aux gens qui ont les seins. Comment? Donc s'il y avait la poitrine là, tu allais me donner la bière. Est-ce que là, tu as même vu la confiance là-dessus là? C'est la magie. Même quand tu regardes, tu ne peux pas résister. Même pour rien, devait même lui offrir la bière. Cadeau, donne-moi une bière. Donc quand on offre la bière à la femme, on ne donne pas la bière à l'homme. Je te pose une question. Toi, voici qu'on vient de recruter ici là. Tu ne m'aimerais pas que chaque soir, chaque matin, tu retrouves ta marchandise et rien ne manque. Hein? Qu'est-ce qui vous arrive souvent que quelqu'un vient te voir ton frère? Moi, je travaille ici, tu vois. Ouais. Je travaille seulement. Donc là où tu vois, là, la seule personne que je peux gérer, ce n'est que la femme. On ne donne pas la vie à l'homme. On donne la vie à la femme. Toi aussi, tu viens me demander la vie et la femme. Tu peux me donner quoi? Je peux rien te donner. Tu ne peux rien me donner. Ok. En tout cas, mon fils, quitte un peu. Va t'asseoir là-bas. Je vais m'asseoir quand même. Quitte. Quand vous regardez, vous voyez les aînés qui viennent s'asseoir pour boire le vin, vous venez vous asseoir. Reculez et que les c'est enfants restent au bas. C'est toi qui arrive dans ma soie quand je suis chez eux. Quand toi tu veux passer ta commande, non? Moi je vais te servir. Je vais te dire, cadeau, quand tu vas t'arriver sur le parti, tu vas m'appeler, tu vas rester comme ça là. Tu, je ne vais pas venir. Je ne peux pas faire qu'on t'ouvre, tu ouvres un bar comme ça là, je viens. Jusqu'à tu me vois, je viens m'asseoir. Tu ne me dis même pas que. On arrose souvent quand on a un nouveau travail. C'est là qu'on parle des bénédictions et tous les malheurs et tout et tout. Te voici, ta chaîne ne fait rien. Quand attends le jour que je vais toucher mon salaire, si mon patron me paye, il va t'appeler, il va t'inviter, il te donne une bière. Moi, je vais te dire, tu es le seul Bamileke qui, quand tu es quitté du village, tu n'as pas fait le transport, tu as volé le bus. Parce qu'un Bamileke qui dépense sur les femmes, c'est un vrai Bamileke dépense sur son ami. Parce que tu sais au moins que ton ami peut t'aider un jour. La fille-là peut t'aider. Quand tu vois la fille là, que quelqu'un peut résister quand elle passe. Ok. C'est la magie. La petite là, c'est la moi, moi avec elle. Donne-moi un bien de 500 là. C'est mon niveau là-bas. Comme tu es là, tu le fais. Mais je vais te dire,
On doit appeler la boutique sinon. Dès que tu as un problème, essaye de m'appeler. Essaye de m'appeler. Vous allez m'entendre. Oh. Parfois, quand les clients viennent comme ça, on dit que c'est vrai. Prends aussi une vie, mais chez vous, c'est le problème. Ne m'énerve pas, il peut faire comme ça, là, ma face change sur toi. Et c'est moi qui viens t'offrir les biens là où tu as les biens. Car, comme tu vois la petite là, tu vois comment. J'attends seulement le jour que vous aurez un problème. Yes. Je ne te souhaite pas le malheur, j'aimerais que tu aies beaucoup d'enfants avec elle, mais tu vas comprendre. Tu t'assois à côté de moi, pourquoi? Tu vas m'offrir aussi une bien, non? Qu'est-ce qui nous arrive ce soir, non? Ok, ça va alors. Cadeau, ce qui se passe entre toi et moi, sur quartier, ça ne te suffit pas. Tu n'as pas peur de moi, hein? Je viens m'asseoir, tu dis que tu peux pas ma bien, tu peux t'asseoir à côté de moi. Toi et moi, non, ça va, bois ta bien. On se connaît. Bois ta bien, il n'y a pas de problème. J'ai ton carman sur la fille, laisse. C'est pas toi qui m'a. Oui. Laisse, je veux te raconter une histoire. Tiens, si tu t'assois à côté de moi. Non, ça va. Quand il va me lever, c'est un peu. Bon, ça va alors. Tu t'assis, non? La bière, si. Tu sais que le patron est assis derrière, non? Donc il nous entend quand on parle là. Ton patron, et ton patron qui te force à venir t'asseoir à côté de moi. Quand tu parles des filles là, quand mon patron est là, il ne parle pas haute voix, pardon. Tu parles à haute voix là, c'est que je suis moi en guerre. Laisse, je gère la petite là. Sinon, la on petite te recrute, tu n'as même pas encore fait un mois, les filles viennent te rendre visite. On va voir. Comme tu as vu la fille là, il te rappelle quelque chose, la petite là dit qu'elle veut payer son loyer un an. Donc, elle me voit que moi, si je peux la payer le loyer un an. Okay. Les filles ont le gros cœur comme ça. D'accord. Moi, je suis encore recruté. Je ne connais pas si mon salaire va sortir à la fin du mois. Je demande le salaire de un mois. Oh. De un an. Vous sortez avec les filles brunes. Vous sortez avec les filles qui ont les grands projets. Même si tu étais à ma place. Au lieu de partir au village, on te donne une femme tranquillement. Tu es là. Tu viens faire les grandes choses.